Hello guys, today we are going to the museum. I'm already at the museum site, so I want to show you guys the museum. So we are going straight up to the museum. So I'm around the museum site. Let me show you guys how it is. So this is it. I'm already in the museum. Definitely sure it opens today. So that's it. This is the museum, I think. All right, we're going in here. That's the museum. It's like, I want to check somebody right there. Make sure. Imagine that. She's very respectful. Pour voir les choses. Nous sommes sincères. Et aussi, j'ai fait finir. Commencez. Abonnez-vous et aimez la vidéo. Sur ce, c'est le nom. Le nom ici. Oui, le nom. Ok, ça. Quinze heures une. Okay. Nationalité. Profession. Visite. C'est 07. M. I paid 4,500 first CFA. That's about. Let me say it's about $6 to $7. About $6 to $7 just to get in and do this thing. So they gave me this card. That's a visitor card. 074. I have the card. So I'm waiting for someone right now to come get me and show me around. I'm going right now for the visit, guys. I don't know. Je peux faire ici, lui, tu peux parler anglais? Oh là là, il n'est pas là. Ah ok, c'est toi, mais ça va aller. I was asking, I wanted somebody who could speak English, but no, c'est bon. On peut savoir ça comme ça.
prefer somebody who can speak English for you, but it's okay. Some people right there. So, this is it. Nous avons une exposition où on parle d'une grotte du Gabon. Cette grotte s'appelle Irungu, qui se trouve dans le sud du Gabon, plus précisément dans l'Angounié. Voilà. Donc, l'exposition comporte trois parties. La partie de l'ombre, la partie de la lumière et avec une exposition avec réalité virtuelle. Immersion dans le Gabon du 14e siècle. Comme je disais, il y a trois parties, de l'ombre à la lumière et la réalité virtuelle. Dans cette grotte a été révélé 512 objets. Objets en cuivre, objets en fer. Et aussi une partie de la grotte qui est dite qu'on a utilisé comme un cimetière, voilà, on dit, une grotte sépulcrale. Ok. Donc, dans cette partie de la grotte, on a aussi retrouvé 28 sujets. D'après la datation au 44, dans les 28, parmi les 28 sujets, on a révélé qu'il y avait 4 enfants, 3 femmes, et le reste des sujets étaient des hommes. Voilà. Ok. Donc, vous pourrez vous montrer. Si wow. On est dans la grotte, le Rungu, la grotte oubliée, elle est dite oubliée, c'est parce que lors de la découverte de cette grotte, l'explorateur est revenu demander un peu les finances partout, parce que c'est un travail délicat, il faut forcément les finances, parce que ce sont des équipes. Donc, quand il est revenu, il a demandé de l'aide partout, après avoir reçu un peu les finances, comme ça qu'ils sont repartis en 2019 maintenant pour l'exportation de la grotte. D'accord, voilà. Ok. Donc, et vous allez remarquer, on a plusieurs photographies, on a des photographies, mais il y a certaines qui sont plus prises dans une localité du Gabon, dans le Huelolo, parce que c'est dans cette province, il y a plus de grottes par rapport aux autres provinces. Voilà. Nous avons d'abord cette grotte de Liouma, de la Sourville, voilà. Nous avons cette draperie, la formation des calcaires, hein, qui est le travail de l'eau. Ça fait des millions d'années que la mer s'était séparée avec la terre, hein, ce qui a formé les grottes. D'accord. Ici, pareillement, dans une autre grotte, la grotte de Mukama, toujours dans la Sourville. Formation des stalactites et des stalagmites. Ce monsieur faisait partie de l'équipe qui a exploré la grotte. La grotte, c'est. La grotte Liouma. Liouma. Bikouma plutôt. Bikama. Bikama. Voilà, de la Sourville toujours. La Sourville. Voilà. D'accord. Ici, on est dans la grotte. Là, on est dans la Mounié, là où se trouve la grotte Irungu. Là. La grotte Ngongongo. On a l'eau dans la grotte, elle a le calcaire. Ça fait le reflet. D'accord. Actually, for those who doesn't understand, that God is a cave. You can see it's a cave. That's a cave. Wait. Ici, on est dans la grotte, toujours dans la Sourville, la grotte Liouma. Okay. Et dans l'intérieur de la grotte, on a ce joli décor qui montre la présence du fer. Mais dans l'intérieur de la grotte, ce que nous voyons là, c'est la présence du fer. D'accord. Dans tous ces décors. Et ici? Ici, on est dans la grotte de Nyombiti, dans la Nyanga. Après l'Angounié, c'est Nyanga. Donc cette grotte est en train d'être explorée actuellement là. Il y a des équipes archéologiques qui sont en train de travailler dans cette grotte là. Okay. Donc peut-être d'ici peut-être mois de juin prochain,
il y aura aussi une exposition avec avec ce qui sera les résultats de cette grotte. D'accord. Ok. Si pareillement, toujours dans l'Astonville, la grotte de Siou, devant cette draperie toujours, la formation des calcaires, formation des stalactites et stalagmites. Tout, c'est la grotte, c'est dans voilà, la grotte. Voilà, c'est dans la grotte. Nous avons ce fragment qui est la rencontre des deux éléments, dont les stalactites et les stalagmites, qui forment ce fragment. Ici, on a l'illustration. Donc, c'est ça. Ah, ok. Pour la grotte, c'est l'installation par rapport au. Voilà. Ce qu'on a ici. D'accord. Ici, on est dans la lumière, là où se trouve la grotte Irungu. Là. Dans la même province, mais on est dans la grotte de Yenge. Mmh. Et comme l'abbé fait très frais, l'intérieur, là on est dans l'intérieur de la grotte. Dans tout, c'est bien fait de la nature. Ouais. Ici aussi, on est dans une grotte, toujours dans l'Astonville, voilà. On a cet étudiant qui faisait partie de l'équipe qui a exploré la grotte Irungu. D'accord. Et on a les chauves-souris qui sont en train de survoler, ceux qui habitent la grotte. On est dans la grotte des surprises. Ici, on est dans la grotte de l'Azalier, à Beniga, qui se trouve dans le Guévindo. Cocody. À Beniga, là où à Beninga. Se trouve le gisement de fer. À Belinga, c'est dans quelle province? C'est dans le Guévindo. Au Guévindo. Mm-hmm. Ok. D'accord. Ici, on est dans la grotte à Banda, Digembu. Là, on a trouvé les crocodiles cavernicoles. Okay. Crocodiles orange. Oh. Voilà, ont été trouvés dans cette grotte. On avait trouvé dans voilà, cette grotte. Dans cette grotte. D'accord. Donc, les crocodiles orange, qui ne grandissent pas, ils ne grossissent pas. Ils sont toujours. Ils sont des crocodiles nains, on appelle les crocodiles nains. Et ils sont de couleur orange, c'est parce qu'ils ne sont pas en présence de la lumière. Oh. Ils ne sont pas en contact avec la lumière. Voilà. Donc ils ne sont que dans la grotte. Ils ne vivent que des chauves-souris. Oui. C'est leur alimentation. Oui. Et c'est la seule espèce au monde. On en trouve ici au Gabon. Il n'y en a plus dans d'autres pays, dans d'autres continents. Seulement ici au Gabon. Seulement ici au Gabon. Wow. Notre pays est riche. Et aussi, c'est toujours les crocodiles orange, voilà. On les a capturés, puis, pour mieux travailler sur eux. Ils ont même fait des tests pour connaître ce qu'ils mangent là-bas dans la grotte. Donc, ils ont pris un crocodile du marigot et celui-ci. Voilà, ils ont testé. On leur a donné un produit pour les rendre. Et on a trouvé, par rapport aux analyses avec ce qu'il a fait sortir, on a trouvé qu'il se nourrissait des chauves-souris. D'accord. Ok. Voilà. On a cette falaise anthropomorphe à cause des figures, qui est le travail de la nature. Ce n'est pas sculpté par un homme, ce n'est pas sculpté par un sculpteur. Donc c'est le travail de l'eau et du vent. Mais vous voyez, c'est très beau. C'est beau, moi j'ai vu ça, c'est comme la. C'est comme le visage de. Visage de l'homme. Quelqu'un. Merci. Joli. Ah. Ici, c'est juste la grotte. Et ici, on nous montre comment les archéologues travaillent dans la grotte. Là, ils font des traçages. Par exemple, s'il y a des vestiges à fouiller ici, ils font des traçages. Ouais. Ils ont des appareils pour voir. La taille de l'objet qui est enfoui sur terre. Donc, après avoir travaillé, ils mettent des petits panneaux pour permettre à l'équipe qui va venir pour leur montrer que cette partie a été déjà travaillée. Voilà, pour qu'eux ne travaillent plus dans cet endroit. Donc, ils changent maintenant. D'accord. Okay. Pareil comme ici, c'est la même chose, ça dépend de la taille de l'objet qui est sous terre. Donc, ça s'appelle le relief arctique. C'est comme ça. Ici, on est dans la grotte de Mbera, toujours à l'Astonville. Dans cette grotte, on a retrouvé une poterie ancienne qui date de plus de 2500 ans. 2500 ans? Oui. Waouh!
Wow. Et ne peut entrer dans cette grotte seulement les membres de la famille qui habitait la grotte jusqu'à présent, donc la lignée de cette famille. Voilà. Donc si un visiteur veut aller visiter la grotte, il cherche un membre de la lignée de la famille qui habitait la grotte. Ouais, il va l'accompagner avant d'entrer. On a beau faire des prières, la personne va parler, vous allez donner les présents que vous avez amenés. Après, vous aurez maintenant l'aval de visiter et vous ne serez pas embêté. Mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas accès. Voilà. Ah, ok. Wow. Là, on a le matériel avec lequel les archéologues font des descentes dans la grotte. Dans la grotte. Les casques, les cordes. The climbing materials for the cave. Pareil comme ici, on est descendu dans la grotte. Voilà, climbing et on est maintenant dans la grotte Irungu. Voilà maintenant la grotte Irungu. On est là, à l'entrée de la grotte Irungu. Mm-hmm. Ce monsieur, lui, le cordiste, il a déjà placé, il est toujours là pour placer les cordes et pour s'assurer que ça ne cède pas. Mm-hmm. Voilà, parce que si ça cède et qu'ils sont à l'intérieur là-bas, tout sera bouché, ils vont mourir là-bas. Parce qu'il n'y a plus d'autre entrée. Celle-ci, oui. C'est seulement celle-là. Ok, donc, on évolue. Là, ils sont dans la grotte, on est descendu. On évolue toujours. Voilà, ils sont dans une partie de la grotte. Alors, comme je disais, on a retrouvé les vestiges. Voilà. Les cloches, les objets en fer, les objets utilitaires, ils utilisaient, fabriqués par eux-mêmes aussi. Là. Objets rituels, les ossements. Ils sont à un niveau. S'ils font des fouilles, quand ils ont trouvé un objet, ils le mettent dans des emballages. Toujours dans la grotte. Là. Ici, dans cette photo, on voit les ossements. Là. Comme les personnes qu'on partait déposer dans la grotte après la mort, donc ils ne pouvaient plus faire sortir les ossements, parce que après, quand on a une même personne, on ne peut plus désumer la personne, donc les archéologues n'ont pas ressorti les ossements. Ils ont laissé les esprits de nos ancêtres se reposer en paix. Ils ont tout juste pris un fragment d'os pour venir faire la datation au carbone 14. Okay. Voilà. Et le carbone 14, c'est une substance chimique qui permet de déterminer l'âge et la date de disons qu'il y a déterminé la date, l'âge d'abord et le sexe des personnes qui ont été inhumées dans la grotte. Voilà. C'est ce qui a fait pour un sort qu'on a révélé qu'il y avait les enfants, et les femmes et les hommes. Et les hommes. Voilà. Toujours dans la grotte, objet retrouvé dans la grotte, tout ça. Des bracelets, des chevrières, des pelles, c'est pour l'agriculture, des houes, des haches, comme pour pratiquer déjà aussi le rituel. Voilà. Il y a certains objets qui sont des objets rituels. Okay. Et pour faire le culte des ancêtres. Mm-hmm. Okay. Objets toujours dans la grotte. On a des machines, série de machettes. Des machettes et couteaux, en tout cas, tout est pour. Tout ça, là, ce sont des trucs d'accessoires qui sont nécessaires. Oui, qui sont restés dans la grotte. Que nous allons voir à l'œil nu dans la grande salle d'exposition. Voilà. The bone and the spear, ancient spear of the ancestor. Voilà. Et je disais qu'il y a une partie de la grotte qui est dite sépulcrale. Voilà, c'est cette partie de la grotte que les gens n'habitaient pas la grotte. Les gens habitaient tout juste à côté de la grotte. Donc, quand une personne décédait, on prenait cette dépouille, on venait la jeter. J'étais dans la grotte. Dans cette partie de la grotte, avec tout ce qu'il possédait. Donc rien de lui ne restait. Voilà pourquoi nous avons tous ces éléments dans la partie GT. Ici, on a ce crâne et puis on a un phénomène des abductions dentaires.
dont les gens s'arrachaient les dents volontairement pour des critères de beauté, comme ceux qui font le tatouage aujourd'hui, le piercing. Voilà. Nous allons toujours découvrir ce phénomène dans la grande salle d'exposition. D'accord. Objet, voilà, de la grotte trouvé. Donc, c'est une cloche, c'est aussi un attribut de pouvoir. Voilà. Et objet rituel aussi. On y pratiquait, comme je disais, on pratiquait déjà le rituel. Le culte des ancêtres. On appelle le kendo, ensuite le tsobo. C'est la cloche. Les objets là, il y a ceux qui sont ici. Oui, il y en a. On va voir ça tout de suite. D'accord. Mm-hmm. Donc, nous allons continuer la visite de la prochaine. D'accord. Tu pars. Oui. Ils nous donnent 1000 francs là, je vais te rembourser. Je suis en visite, s'il te plaît. Voilà, ici on est dans le jardin du musée. On a quelques essences comme l'iboga. Vous avez déjà entendu parler de l'iboga? L'iboga, oui. C'est quelle plante? C'est la plante là, celle-là, là, avec deux pieds, celle-là. La plante qui sert à cause de sa molécule ibogaïne, utilisée en Amérique pour soigner les personnes dérangées. Oui, j'écoute comment les gens disent que les plantes là. Bon. Ici chez nous au Gabon, la plante est utilisée pour des fins rituels. Donc on initie les gens, on te fait manger la poudre de cette plante, puis tu voyages dans le monde astral, tu vas à la rencontre des esprits de tes ancêtres et tout ça. Voilà. Bon, et ça c'est la représentation du pont indien qui se trouve dans le Haut-Ogooué. Dans le Haut-Ogooué. Oui, il y a un pont indien là-bas. D'accord. Okay. Voilà. Ok. Ah, this is there. This place that working on museum presents a bridge. Where it is on the Haut-Ogooué. On a cette plante qu'on appelle le triomphéta. Vous pouvez toucher. Elle est douce. Pour toucher, voilà. On l'appelle le triomphéta. Cette plante, on l'utilise, elle est antiseptique, voilà. On l'utilise au village comme le papier toilette. Comme le papier toilette. Oui, on l'utilise pour le papier toilette. Elle est douce, tranquille. Quand tu as les impuretés à la peau, la gale ou bien la teigne, tu prends seulement les jeunes feuilles là, on écrase, tu les rends vraiment. Avoir une bonne pâte, puis tu frottes deux ou trois applications, le microbe est mort. Mm-hmm. Bon, ça veut dire ça travaille comme médicament. Oui, c'est un médicament aussi. Okay. Ça a beaucoup de vertu. Okay. Ça veut dire que les gens utilisent ça jusqu'à présent. Oui, même jusqu'à présent. Jusqu'à présent, au village, quand on est au village, on est en blouse. Même d'abord on coupe ça, on amène même au village, on laisse derrière la maison, il y a les toilettes. Ok. Il est antiseptique, on se lave avec, on lave les assiettes avec, ça la mousse, elle mousse. Ça, on se lave avec. On se lave avec, ça mousse. That the leaves you wash with, they can wash with the leaves and they can also, it has antiseptic. Organic in it. Wow. On a cette petite rivière. Donc on apprend les enfants à pêcher avec la canne à pêche. Oui. Voilà. On a un atelier pédagogique qu'on appelle atelier pêche. Donc on apprend les enfants à pêcher. Oui. To do fishing. Guys, she's explaining that the things of what we got here. That's why she's explaining. So, then we have another item.
de sage. On appelle ce lieu le corps de garde. Donc, quand tu arrives dans un village, quand tu es étranger, tu ne rentres pas d'abord à la maison de la personne qui t'a amené, de ton ami ou bien de... Voilà. Forcément, on doit d'abord venir te présenter aux sages qui vont te donner la bénédiction et te souhaiter un bon séjour dans le village. Okay. Voilà, donc plus rien ne pourra t'arriver. Quand tu es passé par ces lieux. Par contre, si tu ne passes pas par eux, il peut t'arriver un accident. Ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Parce que ce sont eux qui ont le regard dans tous les côtés. Dans tous les côtés. Ils voient mystiquement, ils voient aussi visiblement. Voilà. Okay. C'est aussi un lieu de transmission de connaissances pour les jeunes garçons. Là où on édifie les garçons, comment il faut se comporter devant les grandes personnes. Demain, quand il sera marié, comment il faut se comporter avec la femme, comment il faut se comporter avec les beaux-parents et autres. Voilà, c'est comme ça. Oh, okay. On a le chien qui est là pour la sécurité, le coq aussi qui est là pour le nettoyage. Parce que quand les papas mangent, il y a des grains, il y a des restes de nourriture qui tombent, il est là pour picorer. Donc, ça, c'est le papa. Oui. Ça aussi, c'est le père du village. C'est le père de lui-là. Donc on est en train de conseiller celui-là. L'enfant, oui. Voilà. Il a les oreilles sur... les mains sur les oreilles, c'est un signe d'obéissance. Oui. Donc il obéit. Il ne fixe pas son père, hein. Il regarde au sol. Voilà. C'est pas comme les enfants d'aujourd'hui, quand tu leur parles, ils te fixent, mais ils te disent, ah, je ne veux même pas aller. Il part. Oh, si, quand tu es passé dans cet endroit, tu es bien calé dans ta vie. Oui. Okay. Et le feu, on a le feu, c'est pour... assainir le lieu, donc ça chasse des mauvais esprits. Ça, c'est le feu. Voilà, ça, c'est le feu. On réchauffe la nourriture. Ça a aussi un rôle spirituel. Sure. Ça chasse les mauvais esprits. Les mauvais esprits. Voilà. Ouais. Ok. So, I just explained how that father always sits in the village. That's what she was explaining. When you go to the village, you always sit there, and that's how it is in the village. So, you are still visiting the place. Il faut go. So guys, if you are new here, make sure you subscribe, click on the notification bell, share the video, and also we are in the National Museum of Art and Culture. L'original se trouve aussi dans un parc national, à la Lopé. Ah, à la Lopé. Voilà, l'original de ça. C'est ça. Donc ici, c'est seulement une représentation, une photocopie, on peut dire. Donc, cette gravure rupestre, on appelle gravure rupestre, elle est rentrée dans le patrimoine national de l'UNESCO à cause de ces gravures qui montrent le travail de l'homme et la présence du fer. Donc à cette époque-là, l'homme travaillait déjà le fer, l'homme fabriquait déjà lui-même ses outils, comme il vivait de la chasse et de la cueillette, voilà. Et ces gravures, ces spirales, transmettaient un message. C'est un message qui est écrit. Il n'y a que eux-mêmes pour le déceler. Voilà. Donc, il date aussi de 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans, c'est l'original qui est à la Lopé. Il date de 2000 ans. Voilà, pour qu'il est rentré dans le patrimoine national de l'UNESCO. Ok. National Museum of Art and Culture. Là, on a les partenaires qui ont participé à Ilungu. Voilà. On a Ola, on a Ola, Total Energy. Les parcs nationaux, le FACO et Construction. On a l'Institut français, Vivre les cultures, l'ambassade de France et le Fonds de solidarité pour les projets innovants. Ah, ok. Voilà. Ce sont eux qui ont donné l'argent à ces explorateurs pour pouvoir explorer la grotte et nous amener tout ce qui était dans la grotte que nous allons voir tout de suite. D'accord. Okay. Bon, ces sculptures ont été sculptées
passé au bord de mer. On a fait venir les artistes d'autres pays. Voilà. Donc tout ça, c'est représenté. Il y a d'autres qui se trouvent au ministère. Au Cap. Ça, c'était par les Burkinabés. Ça. Burkina Faso, oui. Ah oui. C'est pour un Burkinabé. D'autres là-bas aussi. En 2012. Et de l'autre côté ici. 2012. Celui-ci a été fait par un Mauricien, Yves Maurice. L'écho de la nature. Dans Irungu, nous avons présenté la carte du Gabon et ses 9 provinces. Et autour de la carte, nous avons ces éléments qui représentent chaque province du Gabon. Nous avons parlé, nous allons parler d'Irungu. Irungu se trouve ici, là, dans l'Angounier. Voilà, Irungu ici. Et la grotte Ngongongo, toujours dans l'Angounier. Et la grotte qui est en train d'être explorée se trouve ici dans la Nyanga. Ngongongo, ça veut dire quoi? Ngongongo, c'est le nom d'une grotte. Mais quand on attend Ngongongo, quand on était petit, ça fait peur. Oui, Ngongongo arrive, donc le méchant arrive. Oui. Voilà. Et là, on a retrouvé les crocodiles oranges. C'est ici, à Banda, qui se trouve dans le Wé maritime. À Banda. Okay. Les éléments qui sont autour nous viennent de chaque localité. Ici, on a le Mukuji. Ça, dans nos films, ça c'est pour les Pounous. Mukuji, des masques Pounous, qui est un masque de réjouissance et de protection. C'est aussi l'esprit d'une jeune fille qui est morte à la fleur de l'âge, qui n'a pas su bénéficier des délices de la vie. Ah. Voilà pourquoi lors de sa danse, c'est un homme qui danse avec ce masque et il danse sur les échasses pour exprimer sa grandeur, donc pour lui donner ce pouvoir-là. Ça, c'est une femme. C'est une femme. D'accord. Comme elle n'a pas bénéficié des choses de la vie, elle est obligée d'être jalouse envers d'autres femmes et s'approcher aux hommes pour avoir un peu cette chaleur-là. Voilà, vous comprenez. Okay. Ici, c'est le masque Okui, Okukwe, chez les Omiennes, une autre ethnie du Gabon, qui est un masque de protection et de réjouissance aussi. Et lui, il incarne l'esprit des sages, voilà. Et il sort lors des cérémonies de rituels et lors de retraits de deuil, voilà. D'un homme et pas pour des femmes, pour un homme. C'est un masque de fan, on l'appelle Bikoro, masque de protection et de réjouissance. Plus haut, on a le paille en écorce. C'est paille en écorce. Qui est fait par une écorce d'arbre. Donc on a retiré l'écorce de l'arbre. On a d'abord tapé avec un autre morceau de bois. On a trempé dans l'eau 2 ou 3 jours, 3 ou 4 jours. Quand on retire, ça devient vraiment souple comme un pain. Ah ok. Et d'autres? Ici, c'est le biéré chez l'éléphant. C'est juste l'éléphant? Oui. Le biéré chez l'éléphant et en tout cas c'était comme nos dieux, parce qu'on faisait des prières auprès de ce biéri, c'était pour garder la cohésion sociale entre les frères d'une même famille ou bien d'une tribu. Il était gardé dans une chambre secrète, donc par exemple au début de bientôt il y aura la rentrée scolaire, donc on fait toute une cérémonie pour demander à ce que l'année scolaire se passe dans des bonnes conditions, pour que tous les enfants qui vont aller à l'école soient toujours admis, qu'il n'y ait pas d'échoués, voilà. Qu'il n'y ait pas de maladies contagieuses, de maladies endémiques comme le corona était à Séville pendant 2 ou 3 ans là. Voilà. Donc c'était ça le rôle de Biéré, pour garder la cohésion sociale entre les familles. Ici on a les louches en bois,
qui sont toujours utilisées dans nos cuisines aujourd'hui. Ça, c'est le louche qu'on utilisait avant. Oh, oui, qui était utilisé avant, mais on t'utilise toujours aujourd'hui. Voilà. Oui. Mm-hmm. Ça, c'est un couteau de jet qui a été un attribut de pouvoir et de courage aussi. C'est pour le teke Obamba. Plus haut, on a un masque Aduma. C'est un masque de protection Aduma et de résistance qu'on retrouve dans cette localité. En tout cas, chaque masque revient de quelque part. Voilà. Laisse-toi vivre. Ça revient de l'Ogwelolo. Pareil comme celui-ci aussi. Ça revient de la même province. Celui-ci. Celui aussi, c'est un masque. Oui, oui. C'est un mannequin. Quand on porte ça, on danse avec. Oui. Ah, ok. Celui-ci, c'est un reliquaire Kota. Là, qui est là pour protéger. Kota. La lignée, pour toujours garder dans une famille, mais ça garde les membres d'une même famille. Famille, d'accord. Voilà. Même si vous êtes loin, mais il vous protège toujours, il a l'œil sur vous. Bon, je savais que chaque famille de Kota doit avoir ça à la maison. Pas tous, ça dépendait. Eux, ils ont leur forme, d'autres ont d'autres formes. Voilà. C'est comme quand on entend le biéri, forcément, c'est pas un masque. C'est pas un reliquaire. D'autres, entend le biéri, ça peut être l'os du fémur d'un sage de la famille qui est décédé depuis. Ça peut être l'os du crâne d'un sage de la famille qui est décédé depuis. Voilà. Pourquoi on prend le crâne? C'est parce qu'il avait la sagesse. D'accord. Voilà. Donc, toute la lignée de cette famille, il n'y a que des sages. Et s'il parlait bien, il avait la rhétorique de convaincre les gens. Oui. Que quand il y a un problème dans le village, une fois qu'il arrive, tout le monde est à carreau. On retirait l'os de la mâchoire. La mâchoire. Voilà. C'était comme ça. Si la personne, s'il était fécond, bien si c'était un homme ou bien une femme, et que la personne était féconde, on retirait l'os du bassin. Donc, dans cette famille, personne n'est... Tout le monde fait des enfants. Ah, ok. Mm-hmm. C'était comme ça. D'accord. Voilà. On a le masque des pygmées, on appelle Ondjinja. Le pygmée. Le pygmée. On trouve les gens où? Les pygmées. Oui, le pygmée. On les trouve au nord. On les trouve aussi. À Franceville, mais ça dépend de la localité. Oui. On les trouve presque dans tout le Gabon, mais ça dépend de la localité, là où ils sont. En tout cas, ça change de nom. Voilà. Chez les femmes, on les appelle les Bayara. Chez les autres, ils ont leur nom. Chez les, ainsi de suite. Voilà. Ah, okay. On va maintenant dans Ibouri-Rungu, la grotte est révélée. Donc, tout ce qui a été trouvé dans la grotte sera est exposé et on va lire ça tout de suite. Voilà, faisons d'abord la cavité complète de la grotte. On est dans l'intérieur de la grotte. Oh, voilà. Oui. En 3D, 3 dimensions. Donc, grandeur nature. C'est comme si on était dans la grotte. Oui. C'est beau. Mm-hmm. Merci. Voilà. Les objets, les outils en fer. Ce qu'on a vu en photo là-bas, ce qu'on va maintenant ici à l'œil nu. Ce qu'on a vu dans la photo. Photo, oui. Voilà, c'est tout ça là. C'est tout ça. Mm-hmm. Ce qu'on a vu dans la photo de la grotte. Oui, c'est ça. C'est tout ça là. Les herminettes, les pelles, les roues. Là. Herminettes qui servaient à creuser au travail du bois. Bon, tout ça là est sorti dans la grotte. Dans la grotte, oui. Bon, ça va déjà faire plus de 2000. Ça date depuis le 14e siècle. 14e siècle. 14e siècle. Oui. Et là, on est au 21e siècle. Avant Jésus-Christ. The 14th century, all these items were in the cave. Since the 14th century, mm-hmm. they were taken from the cave. Wow.
Et ici, bon, ça c'est pour le musée, ça c'est la collection du musée, tout juste pour montrer comment on utilisait les minettes, on mettait le bois. Comme le bois ne pouvait pas résister durant tant d'années. Voilà. Bon, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. On mettait le bois ici en haut. Voilà, il y a un trou là, on mettait le bois même par ici. On mettait le bois, voilà, pour pouvoir travailler avec. Oh. Ok. Vous voyez l'exemple là. Oui. L'autre exemple. Le couteau, pareil. Il fallait mettre la manche en bois pour travailler. Les gens même utilisent ça même. Oui, oui, on utilise ça pour, pour labourer le sol. Avec celui-là aussi. Mm-hmm. Pour fendre le bois. Bien wow. Couper quelque chose. Voilà, et avec quoi on fabriquait ces outils en fer? Avec ce tabou qui est là, on appelle le fer. Voilà le fer. Ah, ça là. Voilà, ça, c'est, on appelle ça la loupe de fer. La loupe de fer. Loupe de fer, c'est le fer brut. C'est avec ça là qu'on fabrique le oui, fer. Oui, c'est avec ça qu'on a fabriqué, qu'on fabrique tous les objets oui. en fer. Donc ça, c'est oui. Le fer. D'accord. Et on nous montre maintenant comment ça se déroule. Donc on prend cette loupe de fer, on la met là, on se débarrasse du sable, des impuretés qui sont ouais. Autour là. Quand il est vraiment bien propre, il passe maintenant aux étapes pour fabriquer pour donner la forme d'un objet. Ah, okay. Donc, ici, il y a deux personnes qui sont là, qui renvoient l'air pour activer le feu. Le feu. Voilà. Une fois le fer est déjà chaud, le forgeron prend, quand il le sort de la forge, allez, il tape maintenant pour donner la forme. Et toute cette pratique remonte au moins à 1500 ans avant Jésus-Christ. Mon Dieu. Voilà. À 1500 ans. Mm-hmm. Jesus Christ. Wow. Wow. Okay. We're gonna come that way someday. Toujours objet de la grotte, objet du musée, pour montrer la l'histoire des objet de la grotte. Mm-hmm. Oh, ils connaissaient, ils fabriquaient, ils étaient très intelligents, ils fabriquaient déjà leurs choses. Ils fabriquaient ils sculptaient déjà les bols. Avec manger. Le bois. Avec le bois. Voilà. Pour manger, pour s'asseoir. On a les cuillères, on a les bols. Et ici, on a la poterie avec de l'argile. L'argile. Ce sont des récipients oui. Qui servaient à garder de l'eau, aller puiser de l'eau. On a les tasses avec lesquelles ils buvaient, en tout cas, soit le vin, le pain, en tout cas, leur vin qu'ils fabriquaient à cette époque-là. Voilà. Le tabouret, c'était pour s'asseoir. Mm-hmm. Donc, quand. C'est pour t'asseoir. Oui, mais... c'est pour s'asseoir. S'asseoir oui. C'était pour manger, les soupes et autres. On a la cuillère. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce que les Chinois fabriquent aujourd'hui, ils ont tout juste fait copier ce qui a été déjà fait. C'est ça que nos ancêtres utilisent avant. C'est ça que les ancêtres utilisent avant. Oui, 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 c'est ça qu'ils utilisaient avant. Wow. Les gens étaient intelligents. Très intelligents. Très intelligents. Bon, ça veut dire que les Chinois sont copiés. Oui, oui, ils ont tout copié. Ils ont copié tout ça. En Afrique. Tout copié. Même les assiettes avec, avec le bois. Chaises. Avec le bois. Ils arrivaient bien à bien polir ça, rendre ça lisse et une feuille en brousse. Qui polie, voilà, comme le papier vert. Okay, voilà. Oui. Donc, eux, ils ne cherchaient rien. Et ils ne tombaient pas malades comme nous, on tombe malades aujourd'hui oui, parce qu'ils mangeaient des choses vraiment bio. Bio. Voilà. Voilà, voilà une étape de forge. On est en train de fabriquer un objet. Oh. Une forge à Bétou. Il s'est habillé, il s'habillait comme ça, voilà. Même les femmes aussi s'habillaient comme ça. Oui, oui. Mais là, ça c'est récent, hein. Ça c'est récent. C'est tout juste pour une photo pour montrer. Ah. Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est au temps du Congo français. Le Congo français. Là, les gens portaient encore les caches secs. Les caches. Voilà. Wow. Okay. Et cette lutte,
Les huit Bambala, voilà, comme je disais, les pygmées, par rapport à la localité, ils changent de nom. Ouais. Voilà. Ici, on les appelle les Bambala. Et cette hutte est construite par les femmes, pas les hommes qui construisent. C'est les femmes qui construisent. Ce sont les femmes qui construisent la hutte là, avec avec des feuilles, okay. Voilà, avec des feuilles, les pandanus, voilà. Les hommes, ils vont seulement à la chasse, les femmes construisent, ils vont aussi à la pêche. Mmh. On peut dire que toute une famille qui reste là-dedans. Mais aujourd'hui, là, les femmes ne vont pas faire rien. Oui, elles sont toujours en cours, ils construisent. Bon, comme d'autres sont déjà un peu modernisés, ils habitent maintenant avec les gens au village, dans les grandes maisons et autres. Voilà. Toujours dans le fer, dans la fabrication des armes. Des armes. Objet de la grotte, toujours. On a vu les pointes de saguet qu'on a vu là-bas, entassées. Ça, c'est ça là. Ça, c'est pour aller chercher les animaux en bosse. Oui, c'est pour la chasse. Mmh. Pour la chasse. Ok. Et la nourriture qu'ils mangeaient, la nourriture étant incarnée, on y vivait de la chasse et de la cueillette. Les pommes de terre, un peu de tout, le panier à huile, le manioc, qui ne sont pas origines de l'Afrique, qui sont des produits originaires d'Amérique. Et eux, à leur époque, ils ne mangeaient pas les feuilles de manioc. Ils mangeaient seulement les tubercules. Ah, ils ne mangeaient pas les feuilles. Ils ne mangeaient pas les feuilles. Ils utilisaient les feuilles pour soigner le mal au ventre, les maux d'estomac, voilà. Mais aujourd'hui, c'est devenu un plat vraiment, un bon plat phare pour nous. Donc, c'est pas un produit africain. Africain, oui. Là, c'est la collection du musée. On a le harpon. Pour tuer les gros poissons les dans l'eau. Poissons dans l'eau. Les saguets, c'est pour les petits gibiers, c'est aussi pour le poisson. Bon, il fait le pêcher avec. Oui, il pêche avec. Donc, quand il y a un gros poisson, allez, il lance. Il lance. Et puis, il y a la corde, donc il attrape la corde. La corde. Oh. On a la balette pour tuer les oiseaux. L'exemple est derrière vous. C'est la balette. Oh. Les oiseaux. Ok. C'est ça. Mm-hmm. Avec le petit couteau. Avec le couteau. Wow. Couteau dans son enveloppe. Fabriqué par eux-mêmes. On a la peau d'un animal bien séché, puis tressé pour mettre son couteau. Couteau. Donc quand il va à la chasse, il accroche comme ça. Ça a été intéressant. Très intelligent. Et ici, on a l'espace thématique d'exposition. Vous allez remarquer, chaque salle a une couleur et qui détermine aussi un thème. Oh. Alors, par exemple, le jaune est rentré là, c'était pour ça a son thème, ainsi de suite. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans la salle verte. Le thème, c'est la faune. Oh. Là, on retrouve les éléments de la faune. Voilà. On l'utilise aussi pour... avec les élèves qui viennent en visite. Donc, après la visite, si un enfant a bien... les enfants ont bien suivi la visite, on leur pose des questions. On a un questionnaire, on leur donne, on pose par exemple la question, à quoi servait cet outil? Voilà, s'il arrive à bien répondre à toutes les 5 questions, on lui offre un cadeau. Le cadeau, c'est lequel? C'est venir au musée avec toute sa famille, visiter le musée gratuitement, sans payer. Ok. Donc cela, on appelle ça un passe-famille. Ok. Ok. Voilà, on est dans la faune, la salle verte. Ça, c'est le panthère. Oui, la panthère. La panthère, la hyène. Et l'aigle. L'aigle. Mm-hmm. Ah. Donc, ils sont là, c'est parce qu'on a trouvé dans la grotte des dents de panthère des hyènes perforées. Ça. Ceux qui habitaient à côté de la grotte fabriquaient des colliers, voilà, pour leur rituel, soit pour montrer leur bravoure. Par exemple, si
Un guerrier, bien un chasseur, a peut-être 5 dents, bien 6 dents. C'est pour montrer aussi que la personne a tué 5 ou 6 panthères. Voilà, donc à titre de bravo. Ah, mm-hmm. Ils mettent ça sur le cou. Voilà. Et on a le coquillage. Comment le coquillage s'est retrouvé? Irungu n'est pas à côté de la mer. L'amouni n'est pas à côté de la mer, mais on a trouvé les coquillages là-bas. Pourquoi? C'est parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des échanges commerciaux entre les populations autochtones. D'accord. Et ces petits coquillages servaient de monnaie de dot. Donc on dotait la femme avec ça. On dotait la femme avec ça? Oui. Comme la monnaie? Oui, comme la monnaie. Ça avait une grande puissance. Une grande valeur plutôt. What they used to get married, they pay like the money. Mm-hmm. Une grande valeur. Mais actuellement, on peut accepter qu'on dote avec ça. Non, on ne peut pas. Oui. Voilà. On ne peut pas. Ici, on est dans. Bon, on a les cornes de l'antilope. Yeah, on a la corne du rhinocéros. On a la corne du buffle, bon, qui sert aussi de corne d'appel. Les éléphants. Non, ce n'est pas pour les éléphants, ça c'est pour le buffle. Buffle, oh ok, buffalo. Voilà. Ici, c'est la rotule d'éléphant, ça là. Ah, la rotule d'éléphant. Bon, qui sert à écraser les aliments chez l'éléphant. Ici, c'est pour écraser les... Oui, écraser avec... les aliments, oui, avec ça. On utilise à la cuisine. À la cuisine, de oui, piment. Voilà. Voilà, ça c'est pour l'éléphant. Ça c'est l'ivoire. L'ivoire de l'éléphant. Voilà, oui. C'est l'ivoire. Donc, c'est un attribut du pouvoir. Il était toujours attrapé, tenu par un sage, bien un guerrier. Voilà. Quand vous arrivez au village la journée, on vous oriente d'abord chez ce monsieur qui tenait cet ivoire. Donc, c'est à lui qu'il faut d'abord parler avant de parler aux autres membres de la famille ou bien du village. Il faut d'abord passer par lui. Okay. Et on a la peau de la civette. Donc cet animal, dans le monde spirituel, a une grande valeur et une grande puissance aussi. Voilà pourquoi les personnes initiées vénèrent cet animal. Parce qu'ils les accompagnent dans leur monde spirituel. Donc, c'est leur gendarme. Il leur sert de. Il les protège. Mmh. Okay. C'est leur sécurité. Voilà, on est dans le sous-sol. Tout ce qui est dans notre sol gabonais ici. On a les éclats de jaspe noir. On a les cristaux de roche. On a les bâtons d'ocre rouge. De rouge. Qui étaient utilisés pour les faire rituels aussi. Là. Ici, on a le calcaire, on trouve dans la grotte. On a le quartz, on a l'ocre rouge, on a le quartzite, on a le silex, on a la pélite, qu'on appelle communément la pierre de Migou. La pierre de Migou, c'est ça. Uh-huh. On a la granitoïde, on a la géode fer ouverte. Elle est ouverte, voilà comment elle scintille. La nuit, ça brille. Ça brille, voilà. Oui. On a la dolomie. Ça, là, on trouve dans la Nyanga. En tout cas, c'est ça, comme là, on trouve ça dans la Nyanga. Dans la Nyanga. C'est comme le marbre. Voilà. C'est très beau. Entre Mayumba et Chibanga. C'est là au milieu. Vraiment, c'est très beau, très joli. Alors, on a les galets. On a la géode fermée. Et puis. Les basaltes, les pierres de basalte. Bon, là-bas, c'est la partie scientifique. C'est mon lien, voilà. Subscribe to the channel if you haven't subscribed. Give it a like. Voilà, après la grotte, on a vu que le monsieur avait déjà mis les cornes. C'est cette entrée-là. C'est en grande dimension. Ah, la grotte. Voilà. Pour aller dedans, là, il faut passer par là. Oh, d'accord.
you are new here, please make sure to subscribe, click on the notification bell. We are at the National Museum of Art and Culture. Voilà, on est dans la vie de groupe. Comme là, ils vivaient en groupe, ils vivaient en communauté. Ils n'étaient pas comme nous qui habitons. On est séparés aujourd'hui avec la sœur, avec le frère, mais eux, ils vivaient en communauté, en communauté. Ouais. Si un cri, le cri est pour tout le monde. Si un est malade, tout le monde se lève. Mmh. Voilà. Ah. Mmh. Ça, c'est la... C'est la danse rituelle. Spirituelle. Vous voyez comme ils sont habillés, ils sont maquillés. Et tout ça là, ce sont des... C'est ce qu'on a trouvé dans la grotte. La cloche qu'on a vue là-bas, c'est celle-là. Ah, oui, oui. Ça, c'est le type instrumental qui utilise ça pour créer la musique avec... Avec tous, avec... C'est ça aussi, on a trouvé dans la grotte. Dans la grotte. Mm-hmm. Wow. Ce sont les gongs, on appelle ça les gongs, c'est aussi des cloches. Voilà, ils prennent les morceaux de fer et puis ils tapent. Ok. Si c'est une collection du musée. Ici aussi, celui ça. Ça aussi, c'est ça là, on n'a pas trouvé ça dans la grotte, c'est une collection du musée. Ça là, c'est pour accompagner les chants. Ce sont les boîtes qu'on a percées. On a mis les petites pierres voilà, à l'intérieur. Donc, quand on bouge, ça émet un son, ça fait tchao 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 tchao. Voilà. Okay. Avec celui-là aussi. Wow. Ça, ce sont des piliers, ce sont des poteaux qui sont. C'est un poteau qu'on place toujours à l'entrée d'un temple rituel. Voilà. Donc, ici, on a l'ancêtre Zambikana chez les Togo, une ethnie du Gabon. On a sa femme Isumba, qui représente l'esprit de la lune, de la lumière. Ça, c'est l'homme et ça, c'est l'homme la femme. Et ça, c'est la femme. Donc, ces deux ancêtres sont, ils sont considérés chez les Togo comme des dieux. Mm-hmm. Voilà. Donc, ils sont considérés comme Adam et Ève, okay. Leurs premiers ancêtres. Voilà. Voilà pourquoi ils sont vénérés. Très vénérés, okay. On les respecte. Respect. Si on a les fétiches, quand on entend fétiche, on a toujours le mauvais côté. Alors qu'il y a des fétiches qui sont aussi du bon côté. Voilà. Il y a des fétiches qui sont. Si on a un fétiche, donc. Même à présent, on fait retour aux fétiches. Fétiche n'est pas mauvais. Il y a aussi des fétiches qui sont dans le. Voilà. Donc ce qui faisait en sorte. Quand un homme partait épouser une femme, il restait avec la femme pendant 3 mois. La femme n'attrapait pas la pas de grossesse. Il partait encore prendre une deuxième femme. Toujours pas de grossesse. C'est comme ça qu'on partait voir des fétiches de la fécondité. Ah. Voilà. Donc, on faisait une consultation à travers le traduit praticien qui détient le fétiche. Oui. Voilà. Donc, après la consultation, les esprits, dans l'esprit de ces fétiches, révèlent que c'est l'homme qui a un problème. C'est pas les femmes. Oui. Voilà. Et après, l'esprit dit qu'il faut par exemple lui faire boire des feux, des potions, ou bien prendre les écorces d'arbres pour qu'il boive. Voilà. Et après là, l'homme est soigné et la grossesse arrive. Donc il y a le fétiche de la fécondité, le fétiche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas seulement dans le mauvais sens. Voilà. Si on a le tableau qui est à l'honneur, à un hommage des personnes, des 28 sujets. Donc je disais, 4 enfants, 3 femmes et le reste c'était des hommes. Ah. Mm-hmm. On a les enfants, 1, 2, 3, 4. On a une femme, on a une autre là, on a une autre. Après la datation en carbone 14. Et ça aussi c'est le... Oui, bon, ça c'est pour le culte des ancêtres. Voilà. Ici, ce sont des reliquaires aussi qui ont presque la même fonction. Reliquaires pour la chasse. Donc, avant d'aller à la chasse, comme ils vivaient en communauté, oui. ils organisaient d'abord
2 ou 3 jours de veillée pour demander aux esprits de les protéger quand ils vont aller à la chasse ou bien à la pêche. Ouais. Voilà, donc après le rituel, le matin, ils vont maintenant à la chasse. La chasse se passait bien. On a tué beaucoup de gibier, mmh. On a tué beaucoup de poissons. Donc quand ils reviennent maintenant, ils ne rentraient pas dans les maisons. Tout se passait là à la cour. Donc on donnait à tout le monde. Mmh. Partageait à tout le monde. Chaque maison avait une part. Voilà. C'est pas nous comme aujourd'hui, nous, ton voisin meurt de faim, toi tu as la nourriture, tu préfères aller balancer la nourriture à la poubelle. Voilà, eux, c'était pas ça. Mmh. Bon, voilà, on a vu les crânes. On a vu le crâne, voilà, c'est ce crâne qu'on a vu dans la grotte là-bas. Vous voyez, je disais que il y a un phénomène, le phénomène de la pollution dentaire. Donc quand la dent tombe seule, elle ne tombe avec toute la souche. N'est-ce pas? Oui. Par contre, quand on va chez le dentiste, il retire avec toute la souche. Oui. C'est le même cas ici. Donc, il s'arrachait les dents volontairement pour les critères de beauté, comme je disais. Et donc, après les recherches, on a retrouvé ces jeunes en Afrique du Sud qui le font, qui pratiquent ces ablutions dentaires. Ces ablutions dentaires. Voilà. Ah. Mm-hmm. Tout juste pour les critères de beauté. Bon, c'est comme la tradition africaine, c'est pareil. Oui, c'est comme, pourrait, oui. C'est comme, mm-hmm. C'est pareil. Mm-hmm. Oui. La même pratique, c'est comme c'est la même pratique et on oui. Fait ça partout. Quand, à cause, il y a une qualité de coaching que tu peux trouver ça ici, mais mm-hmm. Tu pars encore une autre. Au pays, tu vas trouver oui. La même chose. Ça tourne comme ça. Ça tourne. Voilà. Ok. Wow. Christophe. Après, c'est la partie scientifique. C'est la partie scientifique. Voilà, ce qui est dans les parures, tout ce qui est fait dans la grotte, les bracelets en cuivre. Tout ce qui est dans la grotte. Mm-hmm. Les fils de cuivre enroulés. Ça. Les chevrières, les bagues, il y a même une bague là en fer. Oh. Donc ils avaient déjà l'idée. Bon, ça arrive même avant, mais oui, les bagues. Oui. La bague, elle est bien visible de ce côté-là. Oui. Voilà. Voilà, elle est là. Mm-hmm. Okay. Oui. Voilà. Et tout ça là, les bracelets, les chevrières, mais comme eux étaient costauds. Des vrais guerriers. Oui. Donc, quand il a porté ça, il est là debout. C'est pour garder un roi. Donc, lui, il est là debout. Bon, tout ça, là, il porte ça oui, avec. Au pied. Au pied. Au poteau, au pied. Ça, ça pèse là, ou bien ici. Mon Dieu, ça pèse. Mm-hmm. Ah, il était gros. Donc, on ne connaît même pas combien ça pèse. C'était gros. Mm-hmm. Ça, c'est des bracelets en cuivre. Même les femmes aussi portaient oui, ça. Oui, oui. Les femmes portaient les bracelets. How big they are. Look at what they usually used to wear on their legs. Wow. Voilà, ah, c'est une collection de musée. Ça là, c'était c'est un collier porté par le roi Teke, un bijou. Le roi là, Teke. Ça là, c'était porté par le roi Teke. Teke. Mm-hmm. Tout ça. Oui. Un collier, un bracelet, un ticket et tout. Ça, là, c'est pour la grotte. Voilà, je parlais des chenettes, des colliers qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Voilà. Donc, une dent égale à une panthère. Une panthère. Deux dents, deux panthères. Panthère. Ainsi de suite. Bon, ça, tout ça, ça, c'est les dents de panthère. Les dents de panthère. Les dents de hyène aussi. Voilà. Et des petits colliers reconstitués. Tout ça, c'était retrouvé dans la grotte. Et le tableau nous montre de là où venait le cuivre. Parce que nous, ici au Gabon, nous n'avons pas de mine de cuivre. Mmh. On a d'autres richesses du sous-sol, mais on n'a pas de cuivre. Donc le cuivre nous revient de la République du Congo. Zambie. Voilà. Congo, de la Zambie. Angola. Congo, Angola, autres. Et comment ils se retrouvaient ici au Gabon? Voilà, Irungu est ici.
Voilà Irongo. Et c'est dans Ongwe. Non, c'est pas le, c'est pas ça, c'est oui. Dans l'Angounier. Dans l'Angounier. Voilà l'Angounier. Oui. Voilà le Ongwe qui passe là. Voilà Irongo qui se trouve ici. Comment il partait d'ici pour là-bas? Comment il partait de l'Zambie pour ici? Ici? Comment il partait du Congo pour ici? Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les oiseaux arrivent, ils picorent. Ah! L'oiseau picore. Oui. Lors de son envol, il laisse tomber. Il laissait tomber. Ah. Il laissait tomber. Et ça prenait de l'ampleur. Voilà. Ça s'est éparpillé un peu partout. Et ça a attiré l'attention des habitants. Ah. Ça a attiré leur attention. Ah. Et tiens, ça c'est quoi c'est? On peut dire qu'on peut faire quelque chose avec. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont réussi à fabriquer beaucoup d'objets en cuivre. Ah, ok. C'était prêt à 2015. Wow. Magnifique. Mm-hmm. C'est magnifique. Ici, on a la harpe qu'on appelle le bombi chez les Togo. Voilà les deux êtres que j'ai, ou deux ancêtres que je vous ai montré, Zambé Kane et sa femme. Voilà, ça c'est un instrument de musique qu'on utilise lors des cérémonies rituelles. Ah. Et vous allez remarquer que les masques ont trois couleurs toujours, trois couleurs. Le rouge, le blanc, et le noir. Le blanc qui représente la paix, l'amour, le rouge, la vie, la naissance, le noir, les ténèbres et la mort. Oh. Mm-hmm. Quelque chose qui est noir, ne vit plus. Voilà. Quand vous êtes dans le noir, on ne vous voit pas. Voilà. Et si on a assez bien écouté l'objet, ça c'est pour les Teke et ça c'est pour les Kota. Kota. Voilà. Oh, ça c'est pour les Teke. Oui. Ça c'est pour les Kota. Kota. Mm-hmm. Et les Kota, eux, ils utilisent pour eux, actuellement, ils utilisent pour circoncier les enfants. Ah. Mm-hmm. Vous circoncisez les enfants avec? Oui. C'est avec ça? Oui, avec ça. And you use this to circumcise kids, mm-hmm. babies. Mm-hmm. Ça, c'est pour le Kota. Oui. Ça, c'est pour les Teke. Qui est devenu une tribu de pouvoir et qui servait aussi pour la chasse, bien pour la cueillette. Pour la cueillette. Voilà. D'accord. Oh. Voilà. Objet rituel trouvé dans la grotte. All these are taken from the cave. All these are from the cave. PH rituel. Bon, on a fait des recherches par rapport à ces deux éléments. Donc, jusqu'à présent, l'utilisation de ces deux objets en fer inconnu, jusqu'à présent. Donc, on ne connaît pas à quoi ça servait. Ah. Voilà. On ne connaît pas. Ah, oui. Mais c'est que la hache, c'était pour fendre ça, le bois, c'était comme la pastille. Oui. Ok. Wow. Je peux regarder ça. Donc c'est votre analyse. Because it's just like a spoon. Mm-hmm. Steel spoon. C'est votre analyse. Bon. Oui. Nous devons voir que c'est une spatule. Peut-être qu'il retirait les choses au feu avec. Mais ça là, c'est comme c'est la machette. Oui, ce sont les haches. Yes. Les haches. Ce sont des haches. Uh-huh. Les haches. Non. Comme j'ai dit toujours, Zambé Kane et sa femme, les deux êtres. Les hommes et la femme. Voilà. Ici, on est dans le quartier d'inhumation. Et à leur époque, eux, ils n'enterraient pas les gens. Ah. Non, ils n'enterraient pas les gens. Qu'est-ce qui se passait? Quand une personne décédait, ils n'habitaient pas dans les maisons. Par exemple, ils habitaient peut-être à l'entrée d'une grotte, parce que le calcaire est arrondi dans sa forme. C'est comme si c'était là dans une maison. Donc, il habitait dans une grotte. Non, il n'habitait pas dans une grotte. Par exemple, voilà l'intérieur de la grotte. Oui. Mais le vent ici, c'est arrondi. Oui. Voilà, le calcaire est arrondi jusqu'ici. Rondi. Dans sa forme. Bon, c'est comme si c'était une toiture. Ah, ok. Quand une personne décédait parmi le groupe, il cherchait un endroit en brousse. Il partait en brousse, on enveloppait la personne avec. Soit avec les feuilles ou bien avec la natte. Oui. Parce que les femmes tissaient déjà les nattes avec des papiers, avec le matériau naturel. Oui. Donc, on enveloppait la personne dans la natte ou bien dans les feuilles et puis ils partaient en brousse, chercher l'endroit là où on pouvait la déposer à côté d'un tronc d'arbre. Donc, on déposait la dépouille et
en cette position. Parce que quand l'enfant est dans le ventre, l'enfant a la position qui fait face à l'horizon. Donc, on déposait la dépouille, il repartait. Ce qui, par rapport à la position, l'esprit va sortir et fera face à l'horizon. Et quand le soleil va se lever à l'horizon, viendra à la rencontre de cet esprit et va ramener l'esprit dans l'horizon. D'accord. Voilà. Ok. Wow. C'est magnifique. Hein. Très magnifique. Nous, aujourd'hui, nous, on enterre les gens, et tout. Tout est modernisé chez nous, chez le malade. Okay. Wow. Donc, vous allez passer sous le cadre. Vous avez payé combien? Je pense que c'est 5500. 4500. Asseyez-vous. C'est le casque. Pour les choses à l'intérieur. Oui. Pour la grotte. Vous allez rentrer dans la grotte. Oh. Oui. Ah bon? Oui. Ok. Je vais voir. They want to put on this on me for me to see the caves. It's like the 3D. See. I've never done this before. This is my first time. Let's see what's there. Pour arranger, pour avoir une bonne vue. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui. Ok. Donc, vous allez voir deux personnages qui vont se présenter devant vous. En tout cas, ça va se charger. Faites le choix si c'est un homme ou bien la femme. Et c'est ce personnage que vous allez choisir qui sera votre guide durant toute la descente dans la grotte. Il y aura des flèches qui vont vous indiquer. Qui vont vous orienter la descente de la grotte et d'autres flèches vous orientent là où se trouvent les objets. Il y a aussi un halo lumineux qui va vous faire évoluer au fur et à mesure. Ok. Richard, voilà. Vous donc vous êtes là, vous allez d'abord écouter le discours qu'il va prononcer. Oui, après, on va vous demander de rentrer maintenant dans la grotte. L'entrée de la grotte est nette devant vous, okay. Là où se trouve le sac rouge là. Oui, voilà. Il y aura un cercle qui va se charger. La couleur noire, la couleur bleue plutôt. Tu trouves le sac. Il y a un sac à côté, non? Oui. Voilà, vous regardez seulement, vous écoutez d'abord ce qu'il dit. Après, on va vous demander de rentrer maintenant dans la grotte. Vous allez évoluer avec des flèches en faisant des mouvements. Si la flèche va à gauche, vous tournez à gauche, puis ça va déclencher. Et au fur et à mesure, vous allez évoluer. Voilà, ça dure, je peux dire, 6 ou 7 minutes. Au trop 7 minutes. Au trop 7 minutes. Mm-hmm. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment marche ce matériel. Votre caméra est équipée d'un tout nouveau système qui va nous servir à détecter des zones intéressantes. C'est sur l'outil circulaire. Veuillez au centre de votre champ de vision. Oui, oui, tu l'as vu. Mais avant de démarrer, nous avons besoin de calibrer ce système. Pour cela, nous allons tenter de retirer l'entrée. Alignez le cercle bleu avec l'entrée de la grotte. Elle devrait être devant vous, entourée d'un halo lumineux. C'est bon. Est-ce que ça marche de votre côté? Parfait. Imaginez qu'il y a 600.